tous les gens de YouTube. Alors aujourd'hui je vais tester un produit que j'ai reçu de chez Amazon. Il s'agit en fait d'une brosse qui permet de lisser ses cheveux. Je sais que je suis en retard par rapport à tout le monde sur YouTube. C'est juste que j'ai eu l'opportunité de tester ce produit parce que le vendeur Amazon, en fait, parce que c'est un produit qui vient de Amazon, m'a contacté pour que je teste des produits. Et au départ, il voulait que je teste un réveil. Alors, j'ai fait écouter le réveil, c'est un peu... D'ailleurs, je me suis demandé s'il avait regardé ma chaîne. Et je crois qu'il a jamais regardé ma chaîne, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je suis allée dans sa boutique pour voir ce qu'il proposait, si je pouvais trouver un arrangement. Et je suis tombée sur cette brosse lissante. Donc, cette brosse lissante que j'ai vue sur le site et je me suis dit... Hey Sabrina, t'as toujours voulu tester des brosses lissantes, c'est le moment de le faire. Et je lui ai proposé, et il m'a dit ok, on t'envoie ça. Donc du coup, il m'a envoyé cette brosse lissante gratuitement. Je le remercie vraiment, c'est très sympa. Et ça me permet d'avoir du contenu du coup pour ma chaîne et de tester des trucs pour vous quoi, donc c'est génial. Alors, ça s'appelle 2-in-1 PTC Heating Hyonic Hair Straightener Brush Seamless Bristle for All Hair Types with Hyonic Technology More Shine. Ouh, accent pourri là. Less Frizz. Donc voilà, donc en gros j'ai tout lu hein. Je vais... Hop là. Et hop là. Alors la différence c'est qu'en fait il n'y a pas de picot comme sur une vraie brosse. C'est assez particulier. Je sais pas comment l'expliquer, en plus c'est dur en fait, c'est pas du tout mou, c'est très particulier en fait. Je fais un close-up pour vous. Alors ensuite on a le on, off, le côté ionique, je sais pas à quoi ça sert la vérité, donc je crois que je vais l'utiliser parce qu'apparemment c'est censé protéger les cheveux, donc je vais l'utiliser, mais au fond de moi je ne sais pas à quoi ça sert. Tout d'abord, mes cheveux ne sont pas lavés, ils sont sales. Ça fait peut-être 4 jours que je les ai pas lavés. Donc voilà. Honnêtement, je pense que je vais d'abord brosser un côté avec une brosse. Je vais prendre une brosse comme ça et je vais brosser. Je déteste brosser mes cheveux à sec. Je déteste ça. D'ailleurs, je brosse quasiment pas mes cheveux, je les peigne quasiment pas, je déteste ça. Je trouve que c'est un truc super contraignant et je déteste faire ça. Je le fais très peu. Oh là là. Oh, c'est vraiment un truc que je déteste. Je crois que j'ai répété 50 000 fois, mais bon. Je veux vraiment que vous compreniez à quel point je déteste brosser mes cheveux. Alors, ensuite, on va allumer ça. Je vais mettre 210 degrés, je pense que c'est bon, 210 degrés. Je mets comme ça et on y va. Ok. Ok. Alors au niveau de la texture, c'est comme si j'avais fait un brushing en fait. Donc c'est pas lisse, mais c'est comme un brushing. Donc c'est ce qui est bien. C'est assez rapide quand même. Je trouve que... Ok, il faut 40 000 passages, mais quand on a la main, je pense que c'est assez rapide à faire. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de mettre un pouce en l'air. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Peace, bye.